Chers amis, chers auditeurs de Radio JM, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors, je voudrais vous parler d'un spectacle qui a attiré toute mon attention, qui se passe actuellement au Petit Théâtre, au Théâtre du Petit Héberteau. C'est l'histoire enchantée du petit juif à roulette de et par Frédéric Zeitoun. Frédéric, bonjour. Bonjour Monique, comment allez-vous? Ben, très bien, alors qu'est-ce que je dois dire, Frédéric Zeitoun ou Frédéric Zeitoun? Nous entrons dans le vif du sujet. Zeitoun, c'est vraiment, mais c'est vrai que la tutrice que j'ai eue en cours préparatoire en arrivant, elle m'a appelé Zeitoun, et donc c'est en partant de ce Zeitoun-là qu'on est parti avec mon co-auteur François Despnoux, et qu'on a eu cette idée. Je vois que vous faites allusion. Ben, je crois que vous avez tout noté dans le spectacle. Alors là, j'ai adoré, honnêtement. J'ai adoré parce que c'est d'abord... Je vais d'abord rappeler, Fred, que tu es né à Tunis. Il y a oui, beaucoup de gens qui parti, t'écoutent. Oui, et que tu es parti très tôt. Je suis parti à l'âge de 8 jours. Ah oui, en effet. En effet. Vraiment très très tôt. Il y avait une petite urgence médicale. Oui. Je suis né avec un handicap physique. Et donc, mon papa, c'était pas la valise en carton, c'était le couffin tunisien avec moi dedans, quoi. Oui. Alors, c'est un spectacle qui a beaucoup d'humour et je dois dire aucun pathos. Il n'y a pas de larmoiement. Frédéric parle très très bien de son handicap, mais il dit aussi combien ce handicap il l'a dépassé parce qu'il vit tout à fait normalement. Il fait tout ce que tous les autres font, excepté peut-être les dispositions physiques, des entrées de café ou des entrées de restaurants qui ne sont pas prévus pour des fauteuils. J'espère que ce problème sera résolu dans un très proche avenir et que les mairies en tiendront compte. Alors, Frédéric... C'est pas les mairies, Monique, excusez-moi, je vous coupe la parole. C'est pas les mairies du tout, c'est le législateur qui a mis ça en place. Ça aurait dû... tous les lieux publics auraient dû être... Exact, c'est vrai, Frédéric. Aux normes pour 2015, et ça a été retardé dans un délai raisonnable, c'est les mots du législateur, moi ça me fait hurler de rire, dans un délai raisonnable de 3 à 9 ans. Donc n'attendez pas 3 à 9 ans pour venir voir ce spectacle qui parle de ça. Non, j'invite tous les auditeurs à se dépêcher. Et on va peut-être commencer tout de suite, Frédéric, par une chanson. Nous allons démarrer en chanson, puisqu'il y a beaucoup de chansons. Il y a beaucoup d'humour, mais il y a aussi beaucoup de musique. La chanson s'intitule « Vendredi soir ». C'était notre dimanche, avant la fin de la semaine. Une nappe bien blanche, et des parfums qui me souviennent. Des rondeurs de boulettes, et des rouleaux de bigoudis. Maman se faisait coquette, pour embellir nos vendredis. C'était la fusion familiale. Des voyageurs faisaient escale. Des sur ma vie t'as rien mangé. Reste en moi, à jamais gavé. C'était toujours la drôle de guerre. Mais t'as qui pas pour la prière. Parfum d'harissa et d'épices. Tonton Nadine, tata Maurice. Tout se mélange dans ma mémoire. Où sont donc nos vendredis soirs? Dans le gris quotidien. C'était le seul soir en couleur. Toujours avec les mains, on s'engueulait avec bonheur. C'était jusqu'à très tard. Israël au milieu de tout. Bon alors, Mitterrand ou Giscard? Je t'en prie, c'est qui le mieux pour nous? C'était la fusion familiale. Des voyageurs faisaient escale. Des sur ma vie t'as rien mangé. Reste en moi, à jamais gavé. C'était toujours la drôle de guerre. Mais t'as qui pas pour la prière. Parfum d'harissa et d'épices. Tonton Nadine, tata Maurice. Tout se mélange dans ma mémoire. Où sont donc nos vendredis soirs? Ainsi allait la vie. 52 fois dans l'année. C'était la comédie qu'aucun de nous n'aurait manqué. Des rôles bien définis. Le début connaissait la fin.
Mon Dieu, déjà minuit. Rendez-vous vendredi prochain. C'était la fusion familiale. Des voyageurs faisaient escale. Des sur ma vie, t'as rien mangé. Reste en moi, à jamais gavé. C'était toujours la drôle de guerre. Mais t'as qui pas pour la prière. Parfum d'harissa et d'épices. Tonton Nadine, tata Maurice. Tout se mélange dans ma mémoire. Où sont donc nos vendredis soirs? C'était... la fusion familiale, des voyageurs faisaient escale, des sur ma vie t'as rien mangé, reste en moi, à jamais gavé, c'était toujours la drôle de guerre, t'as qui pas pour la prière, parfum d'harissa et d'épices, tonton Nadine, tata Maurice, tout se mélange dans ma mémoire, que j'aimais nos vendredis soirs. Qu'est-ce qui a été à l'origine de ce spectacle? Alors bon, moi déjà, ça fait quand même des années que j'écris pour les autres, que j'écris des chansons. Donc la chanson, l'écriture, c'est même pas une seconde nature, c'est une respiration chez moi, c'est mon oxygène. Et puis, il y a quelques années, j'ai coécrit avec un ami qui s'appelle Quentin Lamotta, un premier spectacle qui parlait des chansons, qui s'appelait « Toutes les chansons ont une histoire ». Et je me suis retrouvé sur scène. Il m'est arrivé, avant d'avoir animé quelques soirées, la tournée « Je tendrais tête de bois » sur les vedettes des années 60 et 70. Et le fait de faire de la scène, quand on n'a pas du tout l'habitude, quand le seul vecteur que l'on a avec le public, et ben, c'est justement les artistes qui chantent vos chansons, de me retrouver directement sur scène, ça m'avait profondément fait plaisir. Et je m'étais rendu compte que ça me plaisait. Moi qui pensais vraiment... j'étais très heureux, je suis toujours très heureux à écrire pour les autres. Je ne m'attendais pas à prendre un tel plaisir à être sur scène. Et puis, après, toutes les chansons ont une histoire, puis un spectacle qui a bien marché, j'ai eu envie de faire un spectacle un petit peu plus personnel. La cinquantaine arrivant, la paternité, le fait de dire des choses qui me tenaient à cœur depuis longtemps. C'est vrai qu'on est, alors je ne veux pas du tout être pontifiant, ni être grave, ni être dramatique, ce n'est pas du tout la tonalité de ce spectacle, mais le fait justement de vivre avec de multiples différences, et on est tous différents les uns des autres, on s'aperçoit très vite que peut-être, notamment en France, on n'est pas dans une civilisation, on n'est pas dans une société qui intègre si bien que ça la différence. On parle beaucoup de l'intégration pour les personnes handicapées, et comme je vous le disais il y a 3 secondes, la loi qui demande aux établissements publics de se mettre aux normes juste que pour que, juste, bah, que les établissements dits publics soient vraiment publics et le soient vraiment pour tout le monde, cette loi a été reportée de 9 ans. Donc moi, toutes ces petites colères-là m'ont nourri et j'ai eu envie d'écrire. J'ai eu envie d'écrire en me disant, tiens, si un jour je devais expliquer certaines choses à mon petit garçon, bah, c'est pas un spectacle pour enfants, mais vraiment, j'ai d'abord pensé à lui en écrivant. Et puis, au fur et à mesure que nous avons écrit ça, parce que le livret a été écrit à 4 mains avec mon ami François Despnous, qui est romancier et scénariste, les chansons se sont écrites, j'ai fait les paroles tout seul de toutes les chansons, et puis, au fur et à mesure, on s'est aperçu que ce livret et ces chansons se mêlaient parfaitement bien, et qu'on avait là une comédie musicale de poche. Mais, pour répondre à votre question précisément, qu'est-ce qui a fait que j'ai eu envie d'écrire? L'envie de dire des choses, l'envie de témoigner, l'envie de dire, bah, si j'ai un petit peu voix au chapitre, c'est peut-être le moment pour moi d'ouvrir ma bouche, voilà, tout simplement. Alors, vous aurez compris, chers amis, chers auditeurs, que Frédéric Zeitoun a beaucoup de choses à dire, et nous allons tout de suite l'écouter en chanson dans « Comme tout le monde ». Tout petit, déjà tout petit, la même litanie. Dans la foule, faut que tu te fondes, tu dois être comme tout le monde. Papa, maman, merci, alors j'ai fait comme si j'ai voulu être un autre pour ressembler aux autres. Mais personne n'est comme tout le monde, personne n'est comme personne dans ce drôle de bas monde qui est pas fait pour tout le monde. Personne n'est comme tout le monde, personne n'est comme personne dans ce drôle de bas monde qui est pas fait pour tout le monde. Je riais à tous les vents, je me mentais souvent, je m'inventais des ailes en jouant la vie est belle. J'ai voulu pour de bon devenir caméléon, nier mes différences comme on nie l'évidence.
Personne n'est comme tout le monde, personne n'est comme personne dans ce drôle de bas monde qui est pas fait pour tout le monde. De toutes les sauteries entre deux, mon chéri, convivial et léger, on est même invité. Sous mon masque de clown et mes rires de cartoon, le complice idéal, la pêche et le moral. Personne n'est comme tout le monde, personne n'est comme personne dans ce drôle de bas monde qui est pas fait pour tout le monde. Après avoir usé tous les psys du quartier, j'ai appris sur le tard à croiser les miroirs. Si j'osais dire je sais, ma seule vérité tiendrait en quatre lignes dans cette drôle de comptine. Personne n'est comme tout le monde, personne n'est comme personne dans ce drôle de bas monde qui est pas fait pour tout le monde. Personne n'est comme tout le monde, personne n'est comme personne dans ce drôle de bas monde. Personne n'est comme tout le monde, personne n'est comme personne quand le bon Dieu déconne. Vous êtes trois personnages sur scène. Il y a une osmose entre ces trois personnages, entre Madame Lavie, entre l'accordéoniste et Frédéric Zeitoun. Et en fait, comment s'est établie cette osmose? On a l'impression que vous vous connaissez tous les trois depuis toujours. Ça, c'est le talent, c'est l'immense talent du metteur en scène Alain Sachs. Alain Sachs, on ne le présente plus dans le milieu du théâtre, c'est, je crois, le metteur en scène le plus célébré, le plus modérisé de la profession, enfin, un de ceux qui a été le plus reconnu en tant que metteur en scène. On lui doit le Quatuor, on lui doit des tas de pièces à succès. Et quand il a lu ce texte, il a eu tout de suite eu envie de prendre Anthony Doux. Anthony Doux, c'est l'accordéoniste, il joue de l'accordéon électronique, c'est-à-dire pour les auditeurs, il joue en fait de tous les instruments. Grâce à cet appareil que je ne connaissais pas, qui s'appelle un accordéon électronique, il joue aussi bien de la guitare que du piano, que des cuivres. C'est un instrument absolument fabuleux. Donc Anthony, c'est un vrai instrumentiste virtuose. Et puis surtout, il joue, lui, un petit peu le candide, celui qui pose toutes les questions, qui face à la différence reste un peu le plus bébête, mais qui finalement, en posant les questions de monsieur et madame tout le monde, est peut-être un petit peu la voix du peuple. Et quant à madame Lavie, la violoncelliste Cécile Gérard, Cécile est avant tout violoncelliste, mais elle trouve là dans ce spectacle qu'elle est aussi un vrai talent de comédienne qu'elle ignorait elle-même, madame Lavie, c'est celle qui essaie de me dire, attendez, arrêtez, la vie, elle est pas si moche que ça, c'est la voix de la raison. C'est celle qui tire les cartes du destin et qui en même temps essaie d'être point de faire valoir dans les grands moments de colère ou dans les moments de blues que bah, finalement la vie n'est pas si moche que ça. En fait, ce spectacle, c'est un dialogue avec la vie, ponctionné de questions candides ou un peu plus bêtes d'Anthony. En fait, voilà, ce trio, c'était comme ça. La colère que j'incarne au départ, parce que cette différence qui me tombe dessus à la base, l'être en fauteuil roulant, je ne le vis pas forcément très bien. Madame Lavie, qui était tout au long de la pièce, de se réconcilier. Et on finit quand même par une grande danse de réconciliation. Et le candide, qui lui, bah, dit tout ce que tout le monde pense de façon un peu naïve et comme ça, au débeauté et sans aucun tabou. En tout cas, bravo, parce que c'est un trio magnifique sur scène. Et alors, je voudrais parler maintenant un petit peu, je voudrais te faire parler de clin d'œil à tous les personnages, aussi bien les hommes politiques, les chanteurs, Frédéric François, par exemple, Enrico, Laurent Gérard, les humoristes. C'est vraiment... Je ne veux pas tout dévoiler aux auditeurs, bien sûr, ok? Mais j'aimerais bien savoir, qu'est-ce qui t'a donné cette envie de leur donner la parole, de les faire vivre en même temps que toi sur scène? Les hommes politiques, c'est les points d'ancrage mémoriel. Les hommes politiques, on démarre avec De Gaulle en 61... Avec ta naissance. En 61, l'année de ma naissance et les événements de la guerre d'Algérie. Et on termine, et donc en fait, on passe de président en président. Et à chaque fois, bah, c'est l'enfance, l'adolescence, l'arrivée en fac. Donc c'est rythmé. Donc ça, les hommes politiques sont là comme des repères de temps. Au lieu de mettre une affiche avec l'année, machin, l'événement politique, l'avènement de ce président-là nous donne l'année dans laquelle nous nous trouvons, dans le déroulement de la pièce. Donc ça, c'est Alain Sachs qui a mis ça en place. Nous y avions pensé avec François, mais c'est lui qui a trouvé les bonnes images pour pouvoir rythmer le spectacle.
spectacle. Et quant aux chanteurs qui apparaissent, en fait, bah, je raconte l'histoire de ma vie, et à un moment, donc, je parle des artistes pour qui j'ai voulu écrire au début. Bien sûr, tout ça, c'est avec humour et avec dérision, et donc, effectivement, on ne va pas tous les dévoiler. Non, laissons là, un petit peu. De temps en temps, bah oui, il y a des gens qui m'ont donné ma chance et qui apparaissent par écran interposé, qui viennent me parler. Voilà. Bravo, alors nous allons écouter tout de suite Frédéric Zeitoun dans « C'était pas gagné ». Lorsque je suis né, je crois que les fées étaient toutes bourrées. C'était pas gagné, des tuyaux partout plâtrés jusqu'au cou. Tu parles d'un chantier loin d'être achevé. Allez regarder leur visage défait. J'ai tout de suite pensé là, c'est pas gagné. C'était pas gagné de le contourner. Le chemin tracé des fatalités, non. C'était pas gagné, non, non, non. C'était pas gagné. À l'adolescence, pour parler romance, la tronche que j'avais, c'était pas gagné. Du duvet partout, myope comme un hibou, la voix qui muait, c'était pas gagné. Je disais je t'aime, mais comme j'étais bègue, elle s'était barrée quand j'y parvenais. C'était pas gagné de trouver la clé, puis se révéler pourquoi on est fait. Non, c'était pas gagné, non, 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 c'était pas gagné. Rêver de lumière, mordre la poussière et se relever, c'était pas gagné. Tomber mille fois, on vous écrira, mais ne rien lâcher, c'était pas gagné. Croire en son étoile, jusqu'à se faire mal, jusqu'à tout tenter, c'est jamais gagné, c'est jamais gagné. D'oser la viser et de décrocher la lune en quartier, non, c'est jamais gagné, non, 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 c'est jamais gagné. Mais qu'est-ce qu'on chanterait? Qu'est-ce qu'on écrirait? Qu'est-ce qu'on s'ennuierait? Si c'était gagné, non, non, non. Mais c'est jamais gagné, non, non, non. C'est jamais gagné. Pour terminer cette émission, Frédéric, je voudrais quand même dire que ce qui est magnifique, c'est de, au fur et à mesure que le spectacle avance, on te voit visuellement gagné par cette harmonie, cette positivité qui m'amène à te dire « La vie t'a souri, Frédéric. » Oui, mais je pense que la vie, elle sourit quand on... Moi, ma philosophie, je n'ai pas spécialement de croyance dans la vie. Je crois à une chose simple et unique. Quand on ne veut pas être dans la case dans laquelle on vous a mis et dans laquelle le regard des autres vous met, on n'y reste pas. Ça, c'est la première chose. Merci papa, merci maman, c'est la première chose que j'ai toujours cru. De par l'éducation que j'ai eue, le chemin tracé des fatalités, moi j'y ai jamais cru. Je pense que le regard des autres a beau parfois vous handicaper plus que vous ne l'êtes vraiment, ce regard-là, on peut en sortir. Ça, c'est la première des choses. Et de façon alors peut-être plus spirituelle, pour parler un peu de spiritualité, je pense que quand on donne à la vie, elle nous donne. Voilà, c'est tout. Vous me disiez que la vie m'a souri. Oui, effectivement, elle m'a souri, mais je lui ai aussi beaucoup souri. Enfin, c'est un échange. Je ne pense pas que la vie sourit quand on lui fait la gueule. Donc, quand on décide de prendre les choses du bon côté, quand on décide de même si les cartes que je dis en riant dans le spectacle que les fées ont été un peu facétieuses au départ, et que, mais comme beaucoup de gens, enfin, il ne s'agit pas de se mettre en exemple, il s'agit juste de dire que les fées sont parfois facétieuses, et elles ne donnent pas à tous les individus les meilleures cartes qui soient pour faire leur route. Et à partir de là, même avec les cartes qu'on a, il est possible de s'inventer, de se faire une vie sympathique. Et ça, mais je le pense profondément. Ça se sent. En tout cas, Frédéric, je souhaite que la vie te sourie toujours. Que tu gagnes de plus en plus. Et j'invite les auditeurs, qu'ils soient sur Marseille ou sur Paris, puisque l'émission sera sûrement également écoutée à Paris et dans les réseaux sociaux, à rejoindre ce magnifique spectacle, l'histoire enchantée du petit juif à roulette au théâtre du Petit Héberteau. Je vais rappeler... Tous les dimanches soirs à 19h30. Très bien, le numéro d'allocation est le 01 42... 93 13 04 78 bis boulevard des Batignolles. Cette magnifique reprise succès à Frédéric Zeitoun, histoire enchantée du petit juif à roulette, 19h30 le dimanche soir. Merci Frédéric, à très bientôt. Merci, sur l'antenne. Merci à vous, Monique. Vous êtes une formidable attachée de presse. Merci. Je vous prendrai.
je suis prête. Et nous allons terminer en chanson, car j'y tiens. Je voudrais absolument écouter Frédéric dans « Depuis que tu m'as adopté ». Merci, Fred. Merci, Monique. À bientôt. Merci beaucoup. J'avais de ce pays des clichés de misère, un refrain défraîchi de chanteurs sans frontières, et ce coin de quart-monde indécent de détresse m'a offert, c'est un comble, ma plus grande richesse. Y'a plus vraiment de vérité depuis que tu m'as adopté. Avant toi, ma petite vie tournait comme un mobile, sans douter, sans folie, autour de mon nombril. Je croyais le soleil quelque part dans le ciel. Je ne connaissais pas tes câlins au réveil. J'ai souvent envie de danser depuis que tu m'as adopté. Je n'avais du futur qu'une vision très floue. Je disais rien ne dure et de demain je m'en fous. Avec toi j'ai appris à regarder plus loin. Je sais ce que veut dire de trembler pour quelqu'un. C'est fou comme le temps a changé depuis que tu m'as adopté. Avant toi je croyais à toutes les logiques et aux lois des saisons et de la génétique. Est-ce ta peau qui déteint ou la mienne qui se dort? Je sens qu'on se ressemble chaque jour un peu plus fort. Dans tes yeux je me reconnais depuis que tu m'as adopté. Et je sais pourquoi je suis né depuis que tu m'as adopté. Quant à moi, chers amis, je vous dis Shalom Veleishtameah, Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.